De multiples applications de rencontres naissent au jour le jour, mais une seule fait la différence, Yamo Africa. Yamo Africa, votre application de rencontres 100% africaine et fiable. Sur Yamo Africa, trouvez l'amour dont vous avez tant rêvé. Michel, tu es sûr que tu es ma copine? Donne-moi 1500, s'il te plaît. C'est pour lui faire une surprise. Pourquoi tu réagis comme ça? Toi, la fissière, je pense qu'on t'a seulement fait ça au village, franchement. Une belle fille comme toi, avec toute la beauté, debout là comme ça, là, avec tout ton charisme là. Tous les jours, si tu n'as pas les problèmes de 100 francs, c'est 200. Si ce n'est pas 200, c'est 300. Tous les jours valait ça. Non, franchement, tu exagères. Ya! Yeah. Tu veux me dire qu'on te donne pas le transport ici? Donc tu fais ta formation, donc le transport pour rentrer. Depuis que tu comptes les plafonds chez les hommes là-bas, on te paye pas aussi. Michel. Michel. Donne-moi 1500 s'il te plaît. Bon, je vais te rembourser. Vanessa, je n'ai pas d'argent pour un prêt, ni pour te donner, franchement. En tout cas, je t'ai déjà dit que quand tu passes ici, là, si c'est pour les futilités comme ça, ne t'arrête plus ici. Quand tu as tes conneries, là, continue ta route. Ici, là, c'est mon lieu de service et il faut apprendre à respecter ça. C'est la DF, il veut plutôt voir ici. Il veut commander la surprise. C'est ton problème, surprise mon œil. Je dis... La fille est sûre qu'elle est ma copine. Tu demandes 1500, elle est incapable de te donner. C'est quoi cette histoire? Michel. Maman, Lilian, laisse-moi sur ce moment de passer. Tu croyais quoi à la réception? Maman, tu connais la cliente de l'autre jour là, non? Qui était venue faire les ongles la dernière fois là. Maman, la fille là m'embête. Oui. Maman. Tu la vois là comme ça, marche comme ça. C'est un frère n'a pas dans la bouche. Ah, Michel, arrête. Elle n'a pas 5 francs comment? Elle ressemble à une fille qui a faim. Justement, regarde comme elle est belle là debout. Tous les jours qu'elle vient ici, si elle n'a pas les problèmes de 100 francs, elle aura les problèmes de 200. Si ce n'est pas 200, c'est 300. Lilian est sous moi dépassée. Et elle est venue faire quoi ici aujourd'hui? C'était pour me demander 1500. Qu'elle veut faire une surprise à son gars. Donc elle va aller faire la cuisine. Elle n'a pas 1500. C'est chez moi qu'elle vient prendre. Comme tu vois les trucs de la malchance là, Liliane. Et sur moi, seulement dépassé. Vous me connaissez avant? Ou même? Mais ça, c'est l'autre jour ici, là, comme elle est venue, là, pour une prestation. Elle est devenue ta copine comme ça. Chaque jour, elle est là. Michel. Maman, tu restes, ta part vient te trouver. Tu es dans un institut pour la formation. Quelqu'un vient s'accrocher sur toi et tu te laisses faire. Tu connais ce que ça peut te causer comme problème demain. Liliane. Et sur moi, dépasse. Comme je suis moi ma formation comme ça là. Pour que le gars là ouvre vite mon salon. Voilà comment la malchance commence. Ce que tu as ramassé, connais ton corps avec. Maman! Ça va commencer comment? Quelqu'un vient faire les ongles et vient ta copine. Maman, c'est ma part de croix. Mon sens, elle ne comprend même pas ma copine.
allez changer ça à la cantine. C'est à cause des filles comme ça qu'on ne respecte pas les femmes là dehors. Quand tu payes l'amour d'un homme comme ça, tu veux qu'un homme te prenne en considération comment? Il ne peut pas. Maman, Suzy, tu étais où hier soir? Tu as regardé les minutes à mi-temps? Tu n'as pas regardé ça hier soir? Ça a chauffé jusqu'à... Ouais, maman. La belle-mère est entrée dans la chambre de son beau-fils, demande à sa belle-fille de prendre la bonne position pour faire l'amour. Quoi? Ouais, comme elle te dit là. Elle dit qu'elle veut dire les petits-fils, elle est fatiguée de lui voir chaque jour rester là comme ça. Qu'il y a quoi? Maman, ta belle-mère d'aujourd'hui. Je dis que ça m'a dépassé. Ça a chauffé hier, comme elle te dit là. Pardon, dis-moi. Si tu t'es toi, tu as le genre de belle-mère, tu fais comment? Parce que moi, je ne peux pas m'en supporter. Quoi comme quoi? Pourquoi tu es comme ça? Tu as vu le gars de Michel? Il a fait quoi? Il sort de la route tout de suite, là, comme il est sorti là. Mm-hmm. J'ai croisé le gars de Michel. Maman, le gars là, elle l'est. Mm-hmm. Arrêtez! Maman, la mocheté, il dit que l'incarnation de la mocheté. Hey, Gabon, n'exagère pas, le gars n'est pas laid. Il a fait quoi? J'exagère. Qu'est-ce que tu dois de l'aider, celui? J'avais bien dit la merci. Il est bien vrai, Gabon, il est trop laid. Zizi, tu as bien regardé le type là. Attention, en pensant, celui qui fait sa formation, hein. Et il n'est pas laid, de toutes les façons, non. À mon avis, il n'est pas laid. Le gars là, elle l'est. Avec toute la beauté de Michel là. Ouais. Toutes les façons de son goût, non, vous voulez quoi? C'est son goût, il ne refuse pas. Le gars là, maman, quand Michel met les Brésiliennes, les métissés sur sa tête, elle ne peut pas faire au moins le verre. Il dit même le prêt pour arranger un peu son gars. Au moins pour raser là-bas, nettoyer, rendre le gars là humain. Qu'est-ce que tu en sais? Mais tellement lui, c'est négligé, un peu pour arranger sa femme. J'aime le gars. Ce n'est pas que j'aime le gars. Pourquoi ce calme là? Vous ne parlez plus. Suzanne, tu as fini de mal parler de mon gars. Depuis que je suis arrivée dans cette maison, tu ne fais que me chercher les coups sur la tête. Tu passes ton temps à m'insulter. Tu dis que je ne m'habille pas bien. Mes perruques sont toujours un genre. Je ne me oigne même pas. La jalousie t'avait fait quoi? Gabino, tu as fait insulter mon gars. Maman, laisse-moi dire ce que j'ai vu. Je n'ai rien inventé. Si tu m'avais écrit sur tous les toits. Je dis juste ce que j'ai vu. J'espère que je l'ai rapporté à mes collègues. Il n'a rien inventé, pardon. En tout cas, continuez. En tout cas, j'ai moi dit l'affaire ici. Ça a commencé. Ça va péter entre vous. Continuez toujours à parler des gars, des gens. Je vous ai prévenu, celui qui fait la formation. Je vous laisse. Ah, Adjumbo, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Toujours avec le Congo, ça, tu voulais te faire. C'est écrit là, c'est pas ça, le week-end, on ne fait pas au Congo ça. Depuis que tu l'as vu, tu as vu où quoi, c'est écrit que l'homme ne fait pas au Congo ça. D'ailleurs, même, j'ai dit juste ce que j'ai vu, l'air est inventé. Pardon, je ne fais pas babater dessus là. Prête-moi la gêne, non, les paroles. Congo ça, Congo ça. J'aime pas Blanche avait raison, hein. Ce gars est vraiment très beau. Il n'est pas mal comprendre. Si un seul instant me faisait des avances, je ne saurais hésiter. Il est très mignon. Fatigue. Ah, on va faire commencer au travail. Il dit que ta perruque, c'est la magie seulement. La cambasse, elle cherche la perruque à la maison, elle ne trouve pas trop à faire. Toi aussi, Michel, si elle prend ta chose, qu'est-ce qui va se passer? On se connaît. Ah, maman, regarde comment ta peau est douce, sans que la clim s'y est.
maman, elle est classée même déjà. Ah. Akamba, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.